That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Le déraillement, il est là. Ça, c'est... Normalement, il est là. Ouais. Donc, à la droite, à notre droite, c'est ici. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre. À la limite, faudrait faire un igloo pour résoudre le problème. Ouais, on pourrait faire ça. Ou alors, on va pêcher. Peut-être pêcher. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pêché. Ah ben là je suis un peu deg. Là j'avoue que je suis un peu dégoûté. Juste pour se réchauffer en fait. Ouais, un peu dégoûté. Il y a rien sur les côtés. Ah, il fait pas froid. Ah, c'est parce qu'on est protégé. C'est là-bas qu'on doit aller. Est-ce qu'on peut descendre plus rapidement? Bah merde. Ah c'est là-bas. Ok. Évidemment maintenant il fait... Évidemment c'est quand ça nous a bien fait du froid que le truc s'arrête quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu te fous de moi? Ouais, c'est parce que quoi, je vais trop vite? Ah, tu fais exprès, hein? Putain. C'est parce que... Ça, c'est parce qu'on est toujours plus... Ouais, on est trop élevé, là, à chaque fois. Je sais pas pourquoi, mais faut qu'on fasse gaffe. Ah, vache. Te pète pas une jambe, te pète pas une jambe. On peut même plus dessiner maintenant. Right, I can't feel my feet. Ouais, mais moi je voudrais bien trouver le chemin. Ah, j'ai tourné. C'est là-bas. Oh la vache, j'ai bien tourné en fait. Merde. Est-ce qu'on peut... Oh la vache, non. Parce que en fait, là on est dans plutôt territoire loup. Quand on dépasse l'accident, c'est territoire loup quand même. Et Madame s'est fait mal au poignet. Madame ne peut pas tirer à l'arc, mais elle peut scier du métal. Parce que je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais scier du vrai métal, c'est difficile. Hein, il faut quand même bien forcer hein, sur le poignet. Man, all I can think about is food.
Surtout si on scie pendant 1 heure et demie sans s'arrêter. Je vous dis que ça fait mal au bout d'un moment. Mais elle, non. Elle, ça va. Elle, elle a juste mal pour tirer à l'arc. Non, enfin. Faut qu'on soit un peu plus léger. Mais ça, c'est parce que depuis qu'on a le pantalon en plus, et vu que je prends 5 litres d'eau, etc., c'est peut-être un peu trop. 5 litres, c'est peut-être un tout petit peu trop. Bah du coup, on n'a pas fait grand-chose. Enfin, je suis dégoûté un peu, parce que... Bon, on est allé là-haut, c'est bien. On a récupéré des trucs. Mais ça aurait pu être un peu plus fructueux. De l'enfermement, 22%, c'est chiant. Ouais, je pense qu'on va aller pêcher. On va bien dormir et aller pêcher. En tout cas, donc résultat des courses. Résultat des courses, c'est pas mal. Donc marteau, ça. Ce livre, on le jette pour le moment. On le pose. Nous avons du petit bois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, analgésique. Non, antibiotique. Très bien. I wonder if I can drop any of this gear. Ça, c'est... Ok. Ok. Alors, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va manger, dormir le plus possible pour qu'elle se soigne. Et on aura le mal de l'enfermement qui montera à 80%, un truc comme ça. Et on ira pêcher toute la journée. Tout simplement. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On a 34 kilos. C'est un peu chiant d'être aussi lourd, hein, putain. C'est vrai qu'on est très lourd, hein. Ouais. Allez. C'est là on perd du temps. On va dormir 11 heures. Et après on va pêcher. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pêché. Et j'attendais de lire le livre surtout, c'est ça. Nous nous levons et nous allons pêcher. Alors c'est pas très très excitant, je vous l'accorde. Attendez, faut trouver... Voilà, la fenêtre, magique. Je vous l'accorde, c'est pas ultra excitant. Il y a un peu plus intéressant à faire dans la vie, mais... Hein ?
mais bon. Man, I'm not sure I can carry much more. Ça va. 11 et 17. Voilà. Allez, go. Donc on va tout simplement pêcher. Alors, vraiment rien de très très spécial. Je sais même pas si ça vaut le coup de vraiment le montrer. Ah, mais c'est ce qu'on va faire. Alors comme j'ai dit, pour le moment on va pêcher. Alors je sais pas, alors dites-moi. Si vous voulez voir vraiment. Je sais beaucoup de gens en fait ont déjà dit qu'ils voulaient tout voir. Genre même ces parties-là ou tout ça, où c'est qu'on fait pas grand-chose. Bah tant mieux, hein, je suis content. Bah du coup comme ça j'ai pas beaucoup à éditer. Après j'essaye toujours de parler, de dire des choses qui sont intéressantes, parce que c'est vrai que sinon on se fera un peu chier quand même. Mais c'est vrai que moi je voudrais bien faire de... surtout de l'exploration quoi. Et c'est vrai que là c'est pas... hein, c'est pas trop exploration quoi. On est tellement proche en plus de la première cabane, sérieux. On voit peut-être, enfin bon là on voit pas parce que c'est la nuit, mais on voit presque notre maison. C'est incroyable, c'est encore mieux que l'autoroute je pense. Ah, l'autoroute est bien, moi j'aime bien l'emplacement par contre de l'autoroute, ça c'est cool. Mais bon. Bon, vu qu'on a un autre pied de biche, on va utiliser le pied de biche. Ok, alors attends, on va peut-être faire du feu maintenant. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Donc en gros, elle doit mettre au moins 30 minutes hein, pour faire ça. Hein. Là, je suis un peu impressionné quand même. Elle doit bien mettre 30 minutes. Donc on va faire du feu. On va pêcher pendant une dizaine d'heures, je pense, j'espère. On va cuire au fur et à mesure qu'on pêche. Oh non! J'ai oublié le jerrycan! Oh, non! Je savais bien que j'oubliais quelque chose. Complètement oublié le jerrycan. Oh, du coup, ça sert à rien de... ça sert à rien de pêcher, en fait. Ah, oh, putain! Excusez-moi. Ah oui, non, parce que si on commence à pêcher, ça va faire des petites bouteilles, vous savez, ça c'est chiant, ça. Enfin, si on commence à les cuire, on peut les pêcher, mais après il faut les cuire directement. Parce que si on les cuit, ça... les poissons, ils sont moins lourds. Et puis, il faut manger aussi. Ah oh, putain, fais chier. Ouais, donc je disais, il faut... on va manger, en fait. On va se goinfrer de poissons. On va se goinfrer de poissons. On va peut-être manger même là pour éviter de perdre... parce que ça dépend. S'il faut, on va pas avoir de chance. Et on va rien ramener. Alors par contre j'ai une question, ils sont où les loups? Je pense qu'ils ont vu, ils ont dû voir le cadavre de leur pote, celui-là qui s'est ramené trop près de ma maison. Et ils ont dû dire, on va peut-être déménager. Je pense qu'ils ont dû se dire ça. Ils ont dû dire, apparemment le nouvel arrivant il n'a pas l'air commode, il n'a pas l'air très très commode. Donc on va partir. Bah ils ont bien fait. Ils ont très bien fait même. Bon on va pas manger, c'est pas grave. Je vais perdre de la vie. On va être en dessous des 50% je pense, mais bon, c'est pas grave.
Je peux pas trop sprinter non plus parce que sinon elle va être fatiguée. Putain, c'est chiant. Et un peu géant. Sinon ouais, on va faire du... Après c'est l'aventure... Burskenmerk... J'en sais rien. C'est un nom bizarre, à chaque fois je l'oublie. Et après il y a Milton. Donc voilà, on pourrait déjà aller à Milton. Hein. Enfin... Oui, on peut. Bon, franchement, on a tout le matériel pour aller à Milton. Donc il n'y a pas vraiment de problème, mais bon, quand même. On va pas y aller maintenant, on va pas se précipiter. Et je vous parie ce que vous voulez, que quand j'arriverai à Milton, ils vont sortir la mise à jour. Et cette mise à jour, il va falloir redémarrer une survie. Alors si jamais, alors je vais parler de 2 minutes là, si, par rapport à la survie. Si jamais il faut vraiment redémarrer une survie, je sais pas trop comment je vais la faire. Mais je pense que ça va être une survie accélérée. Je vais pas tout montrer parce que sinon ça serait du revu et du revu encore une fois. Donc ça serait vraiment pas intéressant. Tu te fous de ma gueule là? On a bientôt 3 heures, il n'y a pas de poisson. Mais quand même, merci. Je pense qu'on fera ça. On fera vraiment des petits morceaux. Enfin je sais pas, c'est chiant hein, pour ce genre de survie hein, de savoir quoi montrer au final. Parce que bon... Parce que la survie, c'est de voir chaque pourcentage de la survie, chaque moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si je commence à couper, il n'y a plus grand chose à vous regarder. Eh ben... Ouh! Un achigan à petite bouche. Poisson d'eau douce de bonne taille. Supporte très mal les eaux polluées. Première fois que j'en vois un comme ça, je pense. Can you eat trees? Non, on peut pas. On peut toujours pas. Il fait encore beau temps. C'est abusé quoi. C'est incroyable. Never thought I'd be dying from starvation. J'aurais dû manger. J'aurais dû manger. Bah voilà. Bah ça mord. Il fait super beau quoi. This pack is getting too heavy to carry. Il fait super beau, encore une fois. On va boire encore 5 kilos le machin quoi. T'es sérieux? Bon par contre on a vraiment on doit être à 45%, un truc comme ça. C'est vrai que le coup de pêcher 3 heures d'affilée c'était pas malin, j'avoue. Je suis d'accord, c'était pas super malin. $1799 quoi. On a même pas tout bouffé. Ah, tellement. On a même pas tout mangé. Du coup, on peut rester beaucoup plus qu'une journée entière parce qu'en fait, elle bouge pas. C'est vrai que ça aussi, ça a son avantage, le fait qu'elle bouge pas. Donc elle se fatigue, mais très peu. C'est comme si elle restait sur place, en fait. Donc du coup, on peut pêcher au moins 20 heures, facile, je le dirais. Je dirais au moins 20 heures. Et je rêve, on n'a jamais cassé le fil, là, pour le moment. Faites voir un peu le niveau, par contre.
c'est ouf. Pêche. Ouais, on n'a pas... Ouais, il faut vraiment pêcher, quoi. Il y en a beaucoup des argentés, là. C'est quoi leur nom? Le grand Corégone. Ouais. Je pense qu'il y a des poissons précis, en fait, dans chaque zone. Parce que le grand Corégone, j'en ai jamais vu. Hein. J'en ai pas vraiment vu des comme ça à la, à l'autoroute. Après j'ai dit que je voulais faire ça aussi. On va en faire un check. Ça prend 2 minutes pour faire, je crois. Ou 3. Donc faudra en faire quelques-uns. Qu'est-ce qu'il y a? T'es fatigué? Raichi. Non, Raichi. Non, c'est parce qu'il est chaud, c'est pour ça qu'on peut pas le... Sinon j'en ai 3 de chaque. 3 de chaque, c'est bon. On en fait encore un peu ou pas? Je sais pas. Yeah. Plein de poissons. Encore 1h50. Encore heureux qu'on n'est pas loin, parce que là on doit être... Ouais, on a 40 kilos quand même. On est quand même à 40 kilos. Plus d'eau aussi. J'ai l'impression qu'elle se fatigue plus à faire de l'eau, faire fondre de l'eau, que à pêcher. Oui. On va refaire encore 1 litre. Après il faut quand même marcher jusqu'à là-bas. Après le bon truc c'est que... Le bon truc c'est que quand on pêche, en fait, vu qu'on fait deux... Nous on est toujours obligé de faire du feu parce qu'il fait trop froid, on est d'accord. Mais... En fait, on peut pêcher jour, nuit, jour ou nuit. C'est, on s'en fout complètement, en fait, qu'on pêche de la, le jour ou la nuit. Donc ça, on va dire que c'est le, la bonne chose pour nous. C'est que, normalement, si on craft, on est obligé de faire la journée. Si on veut coudre, c'est obligé de la journée. Si on veut faire quoi que ce soit, en fait, il faut de la visibilité. Mais la pêche, bah nous on s'en tape en fait. C'est ça, ça aussi, c'est vrai qu'il faut y penser. C'est que si jamais vous êtes, on va dire, déréglé, que vous êtes pas fatigué la nuit mais le jour-ci, tout ça, vous allez pêcher, tout ça, et vous attendez que le cycle se remette au bon endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire un peu? Ou pas? Ou c'est pas très très compréhensible? Si? En plus là on a pêché 20 heures, plus de 20 heures, je pense. On a commencé,
C'était genre 3-4 heures avant la journée. Maintenant, on a pêché. Il est presque minuit. Ouais. On a pêché pendant un long moment, là, quand même. Fingers are numb. Et voilà. Et voilà. Alors personnellement, je pense qu'on pourrait aller repêcher. Mais bon, ça va nous prendre encore de une allumette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repêcher. Si jamais... si jamais il fait beau. Non, ouais. S'il fait beau, comme ça, on va... Merde. On va aller... on utilise la loupe. Vous voyez ce que je veux dire? On utilisera la loupe. Comme ça, ça économise les allumettes. Sinon, s'il fait pas... Enfin, s'il fait pas plein jour, bah du coup, on ira vadrouiller. Voilà, tout simplement. Et voilà. Eh, dodo, 11h. Désolé. Mais elle le fait, donc bon. Voilà, 73, très bien. Oh, wow, wow, sort pas là, l'arc. Il y a personne. Il a combien notre arc? Il y a 14%, ça va. On est bien. 3 litres 30. Okay. Quoi qu'il fait beau, il fait moins 20. Allez, on va vadrouiller. Bon, d'accord, ça va, j'ai compris. J'ai compris. Tout le monde veut aller en vadrouille. On y va. On n'est même pas lourd, ça va. Ah! Bouge pas, Jerrican, hein. Mais j'ai pas envie de retourner à la maison. Ça s'abîme pas, un Jerrican, on est d'accord, parce que là, ça me ferait chier quand même. Si je perds le Jerrican, je vais être énervé. Ça va, lapin? Fais attention, parce que peut-être plus tard, je viendrai te chasser. Je te le dis comme ça, en ami. Peut-être que plus tard, oui. Il faudrait être dessiné ici. Ok, on est là. Pour le moment, il a l'air d'avoir que des lapins.
Rien de très très spécial. Oh, c'est quoi ça? Oh, il y a des bois aussi. Oh, yes. Oh, yes, 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 yes. Ah, il m'a vu. T'as eu de la chance. Mais il va revenir. Putain! Chaque fois c'est genre 1 mm quoi. Ouais, c'est bien planté ça là. Vas-y, ramène-toi. Cette fois tu te la prends. Je l'avais dit. Ça c'est pour faire des arcs. T'inquiète pas que j'allais pas passer à côté. Hein. T'as pas avalé ma flèche, sale con. Ah putain. Ah, attends. Flèche simple. Un peu 4 si on a la loupe on peut faire ça. Faut juste que je récupère un peu plus de bois parce que ça va pas être assez. On va récupérer la peau, on va essayer de tout récupérer en fait d'un coup et surtout il faut dessiner. Je commence à être super précis quand même avec les flèches. Bon, j'avoue, j'ai loupé deux fois, mais quand même, je suis précis, hein, faut l'avouer. Je kiffe l'arc maintenant. Je surkiffe l'arc. Qu'est-ce que je suis content. Pas extrêmement froid donc ça va pas être très très dur de monter la chaleur. Enfin je crois. Donc vous avez vu la technique, laisser plusieurs enfin quoi qu'on peut mettre en un seul steak ça suffit, un seul morceau de viande ça suffit, mais moi j'en mets plusieurs parce que comme ça quoi. Je sais pas s'il en faut encore. Yes. 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 Et re-yes.
pas très froid, donc du coup on est tranquille. Ça c'est bien, hein. On est bon là. Encore une heure de feu. Encore une heure de feu. Ah, arrête de me faire peur comme ça. Voilà. Les boyaux, c'est important. On va faire avec le couteau. Un truc qu'on peut faire, c'est prendre des tout petits steaks et les faire cuire. Ça va faire de la... Ça va faire de la nourriture, normalement. Enfin, non, ça va monter de niveau facilement, en fait, je crois. Je crois qu'on peut faire ça. C'est super chiant, hein. Extrêmement chiant. Quoique là, ça a pas l'air de montrer, par contre, pour la carcasse. Je pense que ça doit être un niveau... Un nombre... Ouais, je pense qu'ils ont dû le patcher, ça. Je l'avais lu, quelque part. Mais je suis sûr qu'ils l'ont patché. Peut-être la... Peut-être cuire. Cuire, ça marche encore. Bon, par contre, ça prend du temps. Hein. Ouais, cuire, ça peut... Ouais, je pense que cuire, ça marche encore. On prend un peu d'expérience à chaque fois. Ça sert pas à grand-chose, hein, je dois dire. Ça sert pas à grand-chose. En profiter le plus possible, puis après on se casse. Voilà. Franchement, on n'a pas besoin de ça, en fait. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la viande de carnivore? Ça va, il a eu peur. On va se casser. J'aurais dû prendre le charbon. J'aurais bien voulu prendre le charbon. Ah bah tiens, une option qu'il faudrait qu'il rajoute. Le fait d'éteindre les feux. Parce que... Oui, parce que charbon. Parce que si on veut récupérer du charbon facilement, il faudrait pouvoir faire les feux et les éteindre. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, là il y a des cerfs. On va pas les déranger. Bon, on va dessiner. Il y a des lapins aussi. Très bien. Donc si jamais on veut chasser, on ira là. Ça nous fera encore un 10 kg de viande. Je sais pas pourquoi j'ai pris de la viande sur moi. Vous avez vu tout, vous avez vu tout ce qu'on a déjà? Ah merde, c'est du loup ça. Ok. Fallait pas me faire chier. Ah.
Une galère à chaque fois hein, pour récupérer une... Qu'est-ce qu'on fait? On prend la peau. Ok, là faut rentrer par contre. Ni où exactement? Attendez, on était là, on a fait ça. Ok, là-bas, donc c'est les rails. Je crois, j'espère. Il y a une pierre à check. Mais bon, on s'en fout un peu.